Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Europa Universalis 4. Donc vous voyez que la collection se disperse peu à peu. Bonne nouvelle. On calme. Alors, nous avons rencontré des agents hostiles à M'Tata. Ok. Qui sont, je sais même pas où ils sont ces machins-là. Non, on va les buter. Bah, ça va les calmer un peu les sauvages. Il avait bien être gentil, mais bon, quand on m'agresse. Bon. Il y en a un qui va partir par là vers le nord. Et l'autre qui va partir vers le sud. Quel bon espoir castillan, intéressant. Et après, on fera le tour du monde. Je peux envoyer quelqu'un à l'île Bourbon. Voilà, non, trop loin de Madère. Et il n'y a pas le prince ici, là, qui peut servir de relais. Oh, je vous jure. Deux poils près. Que c'est que la guerre Norvège, d'accord. Ouch! Pas conseillé. Ah, des fanatiques hérétiques. À Cayenne? C'est une blague. Il n'y a pas d'émissaire qui coûte moins cher. Prétendant de Navarre. Alors, toi, le prétendant de Navarre, c'est hors de question que tu je te laisses le quoi que ce soit. Donc, ensuite, la traite avec l'Angleterre, c'est un camp déjà en mai 1548. Bien, préparons-nous alors cette petite invasion alors. L'Angleterre et toute l'alliance là s'est détruite. Donc s'occuper gentiment de ces gens-là. On va demander Coventry. J'ai des clés sur toute la région. Il y a la Toscane qui va me briser un petit peu les burnes. Faut essayer de la faire sauter la Toscane, en petits morceaux. Évidemment, tous les inclinés rejoignent contre moi, évidemment. D'où la nécessité de très vite la faire sauter. Si je peux faire sauter 2-3 pays. L'idée sera de bouffer le Portugal et l'Angleterre. On va demander à Tyr-Connell de se pointer. La coalition de Kinder, c'est toujours les mêmes casse-pieds qui viennent s'opposer à moi. On pourrait essayer de se rapprocher de la Moscovie, hein. Je veux dire, si la Pologne me lâche. Encore. L'avantage qu'il y a, c'est que, ben, dans cet empire, c'est que plus il y a de pays qui se forment, qui s'unissent, moins on a de. Plus ils s'affaiblissent. Donc c'est bien qu'il y a des gros blocs qui se forment dans le Serge. C'est mieux que c'est moi qui contrôle les gros blocs, bien sûr. Voilà l'armée anglaise, on va la souiller, la pauvre. Bon, je vais aider quand même mon allié espagnol à becqueter du. On va pas aider les pécores, hein, c'est bon, pas de gérer. Ensuite.
La flotte qui s'est endommagée, là, mais qu'est-ce qu'elle fout? Va te réparer, idiote! On va le massacrer dans Norfolk, voilà, ce sera bien. Et après, on va aller à Londres. Mais le mandat, c'est zigoto là de se bouger un petit peu et de faire un peu ce qu'on leur demande. On va aller à Bragance et à Genova, donc Gênes vient de tomber. Il décède déjà tous ces gens-là alors. Il n'y a pas le Clem Toscan. On peut fourguer des trucs à Parme. Hein. On va gaver Parme. Hein. Bah, ça, Londres est déjà assiégé, c'est une bonne chose. En tout cas, je suis content parce que. Tranquillement, nous, on convertit. Patna qui verrait dans une alliance. Non, on va laisser le Patna tranquille. Voilà, d'ailleurs, on va assez d'amour le reste que le Patna de manière à ce qu'il ne fuit pas. Là, attends, il a plein de génies, mais qu'est-ce que c'est Burn à chaque fois, je vais toujours jamais venir. Bon, on est à. Bah, Zeko qui a été. C'est qui casse les pieds? C'est Strasbourg. Bon, je peux vous mentir que là, maintenant, il n'y aura plus de demi-mesure de compromis. Ce sera du gavage, du gavage, du gavage. Ils me détestent déjà. La Pologne, tu sers à rien! Maintenant, il n'y aura plus de demi-mesure. Je veux dire, on va se gaver. Puisqu'ils me cassent les pieds à chaque fois que je vais venir contre moi, ce sera dévoré. On va les dévorer. T'as compris, Murat? Tu dévores ces gens-là. Bon, Florent vient de tomber. Ça sera fourgué à Parme. Je vais massacrer cette partie ceux-là. On va en face après. Le général qui vient de périr. Ah, quel dommage. C'est celui-là. Est-ce qu'il n'y a pas des pays qui sont oh, séparés de la coalition, qui sont juste des alliés? C'est vraiment une grosse coalition unie. Hein. D'ailleurs, la réponse de Naples. Barry pourrait passer d'ici 16 mois, 20 mois pour Lucanie. Bon. 91. Voilà. Tu joues à ça, là. Le jeu, eh ben, on va donc dévorer un par un tous les petits alliés. Et on va revenir vers l'ouest. Et c'est qui le chef de la guerre? C'est Strasbourg. Eh ben, le mec n'a pas tout compris. Heureusement que l'Autriche n'est pas en guerre contre moi, enfin la coalition. Bon, allez, on va retourner au pays. Allez, hop. Croatie, mais qu'est-ce qui casse les pieds la Croatie? Regardez l'état de leur pays là. Je suis une ruine et la Hongrie là. Et j'ai tué contre toi.
Allez vous faire bouffer les machins là. Pareil, la gitanie là. Est-ce que je peux vous faire un truc? Qu'est-ce que je vais déjà faire chez tous mes alliés? Non, le vaisseau sert de que j'ai relâche. Là, c'est que la Poméranie, hein. C'est ça que ce nouveau qu'occupe? Enfin, chez la Poméranie, je suppose. On va s'occuper déjà de ces rebelles là, on va essayer de les massacrer. Mon marraine est décédé. On va faire un petit carnage. J'ai tellement de power franchement que je peux tenir à peu près tout le monde. Juste simplement de rassembler les troupes et de pas se retrouver séparés. Le particulier est censé avoir, on va le laisser là un petit moment de manière à pouvoir simplement emmerder les ennemis s'ils veulent passer par la Savoie. Alvino, donc faut que je prenne Alvino puis ensuite Naples. Ah, l'invention de la presse à imprimer, c'est une bonne chose ça. Coventry, est-ce qu'on peut pas défoncer les armées de l'armée anglo-portugaise? Ah! Le Patna n'a pas rejoint la deuxième guerre, bon c'est pas grave hein. Regarde. Première guerre, c'est contre. Tiens, je peux vous offrir un truc. Allez. Attendez, je vais pas offrir les provinces là. Tiens, si, je trouve Bing. Repas. Moi 32. Et puis on va les défoncer, c'est tout. Hein. Allez. On va juste ces petites troupes là, anglo-hollandaises. Donc, Portugal, qu'est-ce que t'as dit? Ensuite, tu prends tes colonies, parce que faut pas exagérer, hein. Tonnerre là. Ensuite, l'île là aux Anglois. Les colonies, c'est important. Ensuite, on va donner ça à la Castille. Vu que ça va me coûter un peu plus cher, moi, en tant qu'agressive, on va fourguer.
Bon voilà, on pense à ça, ça suffira déjà je pense. Allez, preuve de plus pour la Castille, ça lui fera plaisir, je pense. On va ramener mes hommes chez moi. Et on peut quand même recruter quand même un petit modèle de troupes hein, pour se faire plaisir. Et renforcer mon armée, ce sera largement assez. Et là, je vais assurer qu'une fois que tout sera ramené, ce sera pas la même, je vous assurer. On se replie sur Paris. Ah, c'est chiant par contre. On recule et on va retourner dessus un petit peu plus tard. Bon, je vais caler 15 000 hommes. Je ne pas justement faire en sorte d'avoir une petite explosion de rebelles là. N'est-ce pas baisser l'autonomie des provinces de manière à pouvoir éviter que ça n'explose trop vite? Mais qui viennent, qui viennent. Allez, allez, ce qu'on va faire. On va offrir. Non, je vais pouvoir offrir autre chose d'autres provinces de autre que mon empire. Vais vraiment pas faire autre chose que de libérer Munich. Et libérer Rupin, il n'y a pas autre chose que je peux faire. Toute la Oldenbourg et compagnie, Dortmund, Croatie, Venise, hein, c'est vraiment de la merde. Hein. Bon, une victoire, parfait. C'est toujours plaisir de victoire de toute façon pour remettre le moral. Puis, et on va un petit peu les faire chier avec la flotte aussi, là-haut. J'ai colonisé Cayenne. Parfait. J'envoie mon colonisateur ici. Allez. Ça j'aurai 5 provinces là-bas, ça pourra faire un bon sujet colonial. Tranquille pépère. Bon, il ne faut pas du tout que Paris tombe, hein. C'est bon, j'ai dit défense. Allez hop. Allez, on va sauter sur Paris, on va se les massacrer. Bon, victoire à Paris. Ah, pourquoi est-ce que j'ai réinfluencé l'Aragon? J'étais un peu idiot. On va se balader chez moi, donc on va essayer de les bousiller très vite. Bon. Passez à me larguer. C'est con ça. L'autre, on va les ignorer. La colonie du Nord, elle est terminée, donc on va aller à Wolystock. C'est le bout de Canada, après c'est là c'est l'Amérique de l'Est. Hein. J'enverrai un ici, puis je continuerai par là pour l'Amérique de l'Est. Et après ben, j'irai vers le nord.
Naples est repris. Parfait. Donc normalement, on est va se débrouiller. Bon, on va aller s'occuper de quoi? De Sienne. Attendez, mais c'est juste cette petite merde là? Ils me font chier autant que chier que ça? Je suis juste en merde parce que j'ai une petite connerie là. Elles sont si nombreuses ces conneries. Vous voyez ce que je vous dis, c'est le problème mini-état. Hein. Bon, j'ai foncé dans le tas qu'un gros sauvage, c'était pas la bonne idée. Dis pas que ça passe. Ah, ça passe pas. Ça passe pas, c'est Rekai, c'était pas une bonne idée, mon grand. Si elle est déjà tombée, non. Oh mais qu'est-ce que c'est cool, Brunswick, il est tout seul. Brunswick, c'est tout seul, cette vieille merde. T'as quoi ce corps de guerre, Brunswick? Attends, je vois juste un truc. Ah mais il est pas tout seul, enfoiré, d'accord, il a tous les autres cons, d'accord. Même la Suède. Jean-Jacques qui est mort, d'accord, c'est lui, super. Par contre, c'est d'autres, les généraux. Au moins, je les ai laissés. Ils vont libérer Paris, ils vont foutre la paix à Paris. C'est le bordel ces coalitions, j'ai un peu trop exagéré franchement. Il faut que je fasse quoi pour qu'ils me foutent la paix? Il faut que je fasse, je sais pas, que je... Libérer Barry, Lucani. Là c'est juste Edinburgh, celle-là elle est gérable, elle est facilement la vaincre. Hein. Là c'est celle où il y a Naples. Le pire que je fais c'est que je libère toutes les provinces de Naples. Hein. Je libère ces provinces de Naples, puis de toute façon je vous rappelle que j'ai une mission pour vassaliser Naples plus tard. Ces émissions pour passer des Naples, je rappelle qu'il faut que j'aille avec la Savoie juste là. Après, je pourrais conquérir Milan. Toi là, t'es contre moi, Salus. Moi, t'es une grosse guerre de merde là. T'es une grosse quoi. Bologne est tombée, donc Bologne, je vais remettre en général. L'hiver bon en plus. Je prends Bologne, je pars, je repère Bologne, super. Bon, on va s'appeler sous FDP. Oh, l'Autriche vient casser les burnes. L'Union évangélique, ah, les ligues protestantes sont activées. Parfait. Nous avons donc l'apparition des ligues. Eh bien... Je peux pas intégrer cette ligue parce que je suis en guerre, c'est dommage. Bougez pas les gars, j'arrive. Bon, Paris s'est tombé. Avec un peu de chance, on va pouvoir les massacrer. Va essayer de massacrer d'autres petits groupes ennemis là. Des indigènes qui deviennent français, c'est parfait.
parer. On va s'occuper de Salus. Il y a des prisons au Portugal, boum. Non mais, on va leur faire très cher d'avoir voulu me déclarer la guerre, hein, je veux dire. J'ai toujours pas de fort à Paris, j'ai pas de fort sur la capitale, vous croyez ça les gens? Il n'y a pas de forteresse sur la capitale. Ah bah tiens, le Brandebourg, ouh le Brandebourg, il a craqué le pauvre machin. Bon quand t'appelles une tenue, clairement là c'est mort, on va laisser tomber cette alliance, hein, ça sert à rien. On va tout monter les relations avec. Alors toi franchement, je suis désaccord, mais bon regarde qui te défonce. Danemark, tu t'es fait pulvériser la tronche par la Suède. Tu crois pas que la Suède c'est plus dangereux que moi? Par hasard? Donc là on va se barrer, on va essayer de choper. Coucou. Bon voilà, on va faire le score de guerre. Le but c'est de faire le score de guerre de manière à pouvoir prendre les provinces ennemies. Si je peux bouffer Salus, tant mieux. On va faire payer à la moitié du monde. Et Naples récupère ça plus tard. C'est juste que je recule pour me sauter, c'est tout. Tout ça peut pas grave de perdre Naples, je veux dire, j'ai une mission pour la reprendre. L'Écosse rejoint la quoi? Mais l'Écosse, t'as vu l'état de ton pays? T'as vu l'état de misère dans lequel tu es? Oh là là, je vous jure, c'est payé des fois. Oh, deux dans le Maine. C'est dommage qu'il y ait personne sur la route. Hein. Strasbourg va récupérer la province là au nord. Très très vite, ça qui est pas. Les fatigues Cato, Nurgel, bon bah ça pourra s'exterminer plus tard. Des conflits religieux à Salus, waouh! Allez, les mecs, déjà sur mon pays, quand la misère sur le pauvre monde. Non, il va mourir. Il n'y a plus de. Il n'y a plus de troupes. Oh, le machin, il va crever. Ah. Tire-toi, tire-toi! Ok, Salus là, ok. Tu peux juste finir le siège là, s'il te plaît? Ça m'arrangerait. Ça, Paris est tombé. Oh, Coni vient de tomber aussi. On va récupérer Paris. Je pense que Salus, c'est comme ça, on règle le problème très vite. Elle n'a pas eu sienne? Merde. Améliorons les défenses en Franche-Comté. Ce sera peut-être mieux. Il y avait un suicidé. Fin des conflits religieux. Boum. C'est marrant, mais des troupes ennemies, je vois beaucoup moins là maintenant. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? En gros, j'avais plus beaucoup non plus de mon troupes. Hein.
Ah, c'est pas ce qui vous a sort. Oh, il faut voir que j'ai réglé ces mecs-là. Bon, elle est où ma flotte? Bon. Il veut faire la paix, machin, là? T'as 32. S'il veut faire la paix, qu'est-ce que je dois lui piquer? Que pas beaucoup de score de guerre. Connie? Voilà. Il va pas là par contre, à moins 13. Ce qu'on fait, les gens veulent savater un petit peu plus. On reprend Paris déjà, on fait tomber la muraille. Voilà, on reprend Paris, voilà, ça a été fait. Bougez pas, j'arrive. C'est un carnage là-haut. Hein. Les mecs sont partis jusqu'en Croatie, regardez-moi ça! La Croatie. Je vais jouer un truc. Si je fais exiger. Presque que j'ai la Croatie en vassal. Putain. Si je le fais et que ça passe. Le Portugal s'est savaté par le Maroc, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est juste des pécores, mais les pécores ça se bute plus facilement. On va à Zwerbruck. Boum, trois mêmes tués. Ouais, c'est tu veux pas faire la paix, machin? Je vais occuper la province, hein. Autriche a reçu la dette de Toscane, très bien. Je suis à combien? Je fais plus 30, plus 40 jeux de bataille. La flotte ici, le transport, on va aller ici aux Açores. C'est qui la première coalition là? C'est juste les mecs là. On va l'occuper Trèves et Koblenz, ce sera drôle. On va abattre les Açores, parfait. Donc on va leur dire après de revenir chez nous. Ouais, 51, il est en moyen déjà. S'il veut me faire. Voilà, il veut bien que je prenne ça. Et en plus, on va lui piquer Strasbourg. Voilà. Allez, bouffe! Ça va? Ça va? C'est clair là le message? Je vous savaste encore plus, je peux le faire. Hein. Je veux dire, moi, je n'aime pas. Hein. Donc, j'ai réussi une mission en fait. Avec ça, à Savoie. Ouais, mais j'ai claim par un an sur la Ligurie. Donc, il faudra qu'on bouffe la Ligurie. Donc, les petites malins, on les bouffera. Et puis, je prends ma mission plus tard pour récupérer l'UP sur Naples. En 63, j'ai le temps, j'ai encore 10 ans. Est-ce qu'il faut que je réexplique à tous ces gens-là le risque à rien de quoi contre moi? C'est qui c'est? Oldenburg, c'est la petite merde là qui ose se soulever contre moi. Ah mon gars, je crois que t'as pas fait la bonne quoi. Hein. Du coup, à 4 clampins, franchement, j'ai rarement vu pire.
Bolduc, je vais souiller. Belle femme qui pleure les hommes, c'est tout ce qu'elles savent faire, les chouineuses. Et là, c'est très simple, les gars, j'exigerai la Croatie en tant que vassal. Cette Croatie, on peut la refider avec cette province-là et tout ce qu'elle a comme revendication sur les territoires du pape. Elle est grosse, cette Croatie, hein. Ça fera un gros bébé à l'est. Ah, il y a Venise aussi, ça. Putain, Venise existe encore ou pas? Ah oui, c'est juste la Venise, on s'en fout, Venise. C'est une ruine. L'Ottoman, il a rien à foutre que je bloque comme un cochon. Bon, allez, revenez en France, ça suffit, les conneries. Je fais que la guerre. Ah, il y a pas mal de monde là, ouf. La République des Nations. Petite saleté, toi. Nouvelle tech. Ce sera une tech militaire. En fait, et donc toi là, tu vas me filer ça. Allez, boum! Voilà, on a un vassal de plus, la Croatie qui peut pas me blairer, c'est sûr. Mais honnêtement, vu du pays, honnêtement, on peut s'en taper. Oh, tout un vassal à moins 200, c'est pas grave. Moscovie. J'aimerais être ton ami. Oh putain, les Pays-Bas sont fait boulotter, les pauvres machins. Alors lui il veut un truc, je m'en fous de ce qu'il veut. Là on va prendre un pack des batteries. On va faire conversion religieuse dans telle quelle province. Allez, on va continuer l'Irlande. Le processus me répond bien quand même. Hein. Ah, et vu que je suis... Est-ce que je suis encore entré avec le bohémien? Hélas oui. La suite de guerre, on va la laisser se baisser. Oh, vous, c'est plus la peine de soutenir le race. Après tout, vous êtes amicaux maintenant. Navarre et Milan, faut remonter par contre. Le truc Milan de manière à pouvoir simplement vassaliser le pays. Ah mais il est catholique le Milanais? Attendez. Voilà, on va demander de devenir la bonne religion. Ah bah, l'Europe protestante. Oh mon Dieu, l'horreur ça va être. Si toute l'Europe de l'Ouest est protestante, y compris Rome. Des anglois qui se soulèvent. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut tout le monde!